Bonsoir, c'est encore moi, voici donc la suite de Rusty. Cette fois-ci, on termine ce niveau 3. Maintenant, on le connaît par cœur. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye d'attraper le canard ou pas? Faire les choses vite et bien. On prend l'argent. C'est juste des points. Ensuite, à gauche ou à droite? À gauche ou à droite? Je sais plus, je sais plus. Par là. Je crois que c'est pas par là. Hein. Cette petite mémoire, quoi. Je l'ai fait il y a 5 minutes. Jamais venu par ici. Hein. Voilà. Il y avait un truc caché. De la vie. Je suis en train de me perdre là. J'aurais pas dû aller par en haut. Les ch'tites n'étoiles. Je crois que je vais éviter de prendre des items et je vais garder les étoiles jusque la fin. Vu que c'est la meilleure arme. Voilà. Alors là déjà j'ai pas la clé. Je suis paumé. J'ai tout fait à l'envers. Celui-là. Ok, bon allez, le canard. Je vais essayer de balancer le un bloc sur le tremplin. On pousse. Alors on va voir si ça marche. Ça marche, mais ça sert à rien. Allez. Je suis trop con. Oh merde, bon allez, je recommence. Ça doit valoir le coup, ce petit canard. Ah oui, mais d'accord. Mais c'est foutu, en fait. Oh, cette perte de temps de l'infini. Réfléchis, fais les choses dans l'ordre. D'abord celui d'en dessous. Ça va pas être assez. Ça va pas suffire. Ça suffit. Ok. Ah mais il y avait deux trucs. Un escargot et un canard. Et pour revenir, c'est parfait. C'est parfait. Impeccable.
Bon, maintenant. C'est le kit. Putain, j'ai eu de la chance là. C'est le skill. Attention, la clé pique qui me permet d'aller par là. J'ai 50 étoiles. Faut absolument que j'évite les autres items. Allez, là on se dépêche. On se dépêche, on prend la clé, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on ouvre la porte. D'abord aller en dessous, je crois. Ouais, en dessous. Je crois que c'est la clé pique. Attention les piques. Attention les lances. Ou alors c'est un autre item. Un poisson. Ah mais c'est le timer en fait. Voilà, j'ai pris le poisson et du coup le timer... un reboot, je suis retombé à 500. Ça sert à ça. Et là, il y a sûrement un truc caché. Non. Bon, à présent, il faut que j'aille par là. Là, je vais prendre la clé. Attention. Ah, faut pas courir. Voilà, la clé pique. Ensuite, j'irai en haut. Merde! Attends. Est-ce que j'ai une attaque spéciale avec lui? Pourquoi j'en ai 50? Il peut tuer 50 ennemis maximum. Ah non, mais c'est pourri. Bon ben voilà, j'ai fait une grosse connerie. J'ai fait une énorme connerie. Au-dessus, 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 vite. Ouais, voilà, c'est ça. Il peut tuer 50 ennemis maximum. Non, mais c'est complètement naze. Allez, vas-y, occupe-toi de lui. Ah non, mais c'est pourri. Quoi par là? Non! Mais à chaque fois, je vais me faire avoir avec cela. Non, j'aimerais bien un cœur, là, s'il vous plaît. Un petit cœur. Oh là là. Est-ce que c'est un cœur, ça? Non, c'était une boule verte. Est-ce que j'ai réussi à faire ça, moi, tout à l'heure? Oh là 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 là, c'est super chaud! Non, 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 non. J'ai trébuché. Merde. Bon, vu qu'il y a un... Ah merde! Mais s'il y a un checkpoint là, comment je fais pour revenir au début? Je crois que j'ai oublié des trucs, hein. Ça.
eux ça va. Non, la clé cœur, je l'ai toujours pas trouvée, la clé cœur. Je sais pas où aller. Le mieux, ce sera de tout recommencer, mais... Repartir sur de bonnes bases, faire les choses dans l'ordre. Non, faut absolument que j'aille là-haut et que je m'accroche sur les deux trucs avec mon fouet. Merde. Dégage! Ah oui, super, c'est super efficace. Impeccable, je vais mourir. C'est super difficile, j'ai plus que zéro vie. Oh là 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 là. Je fais n'importe quoi. Non, c'est là où que je dois aller. Oh putain. Ah! Je suis nul. Coucou la statue. Ah, ok. Un extend de temps qui sert à absolument à rien. C'est par là. Ou alors c'est pour arrêter le temps. Vu que j'ai 16... Ah ouais, d'accord. C'est pour ralentir le temps. Cela m'a à chaque fois. Non, oh, un cœur, je veux un cœur. Bon. J'imagine que je dois aller super haut. Le plus haut possible. Non, le plus haut possible. Allez, balance-toi. Ok, très bien. Y'a quoi par ici? La clé cœur se trouve juste là. Avec mes deux barres de vie. Et doucement, doucement, doucement. Non! Et le balançon. Bon, et ben super. Ce niveau est complètement fou. C'est le tryhard. Allez, Rusty. D'aller le plus vite possible. Oui, donc cette fois-ci je vais par là. Je fais pas comme tout à l'heure, j'avais pas été là. Ouais. Merde! Non, non, non! Du coup, je dois tout me retaper. Bon, allez, courage. Courage. Non, 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 non. Doucement. Cette fois-ci, je garde les étoiles. Non, 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 non.
Ok, la plateforme remonte, je me fais pas écraser. Là, ceux-là, ok, ceux-là ça va. Je vais faire un petit peu plus attention maintenant. Ceux-là c'est la merde. Oh non, j'avais oublié ça. Ça sert à rien en fait. Je sais pas à quoi ça sert. Comme il n'y a pas de manuel du jeu. Ce jeu est extrêmement rare. Peut-être sur GameFAQ, il y a des informations. N'importe quoi. Merde, je voulais... Oh non! J'ai appuyé trop vite, et voilà, j'ai utilisé l'invincibilité. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Oh, ça fait chier! Vous savez quoi? Je crois que je vais reprendre la VOD à partir de maintenant, parce que là, j'ai vraiment fait de la merde. Allez, vas-y, crève. Je vais voir s'il n'y a pas des informations sur GameFAQ, tiens. Allons voir ça. Rusty, GameFAQ, PC 98. Ah, il y a une page. Il y a une page. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Ok. Il y a une page sur Hardcore Gaming 101. Ok. Je crois que je vais trouver à quoi ça sert. Corti, Doc, ok. C'est pour toi. Oh non, mais c'est super chaud. Oh la vache, oh la vache. Ah, mais je suis même pas là. J'ai vu des screenshots, j'ai vu des choses très bizarres. J'espère que Twitch, j'espère que ça va passer sur Twitch. Voilà, j'en dis pas plus. Bon. Apparemment, les canards et les poissons, les escargots, ça sert à activer des clés cachées. Et c'est obligatoire pour terminer les niveaux. Donc... Bon, allez, je continue. Je continue. C'est super chaud. Donc c'est obligatoire. Je peux pas y couper. Il faut choper le canard. Il faut tout choper en fait. J'ai l'impression qu'il y a au moins une quinzaine de niveaux. On est au troisième niveau donc ça va. Dans quoi je m'embarque encore ? Cette fois-ci, ne rate pas. Si je rate, c'est mort. Si je rate ça, c'est mort. Oh, ça va, je le touche, là. Voilà. D'accord, très bien.
Allez, balance-toi plus haut. Plus haut. Voilà. Maintenant, je peux aller ouvrir la porte là-bas. Et j'aurai la vie supplémentaire. Dégage. Voilà, une bonne chose de faite. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Maintenant, je vais retourner là et aller de ce côté-là. Ah mais il me charge! Le fameux canard. Là, il y a un truc. Hein. Ok. Là, on est bon. Il m'a touché. En premier, celui qui est là-bas. Tout doucement. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. J'espère que ça suffira. Putain, c'est chiant, je suis obligé de retomber à chaque fois. Je crois que le dernier, je vais le faire en courant. Merde, est-ce que j'ai fait le con là? Oh là là! Mais quelle connerie! C'est complètement con ce passage. J'aurais pas dû casser celui d'en dessous. Ok, on y est. J'y croyais pas. Hein. Ok, 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 c'est parfait, c'est parfait. Ça, c'est fait. Maintenant, je peux aller à la porte. Avec le plafond qui tombe. Ok, c'est parti. Checkpoint! Pas le temps.
Il y en avait pas deux? Je peux revenir, donc on y va. Salut Adra Michek. Salut Adra Michek. Bienvenue, merci pour le follow. Désolé si j'écorche ton nom. Non, j'aurais dû aller par là. Allez, enfonce. J'aurais dû aller à gauche en premier. Oh non. Quoique. Non, d'abord par là. Je récupère la clé. Ok. Non, le garde. Ensuite, je vais en dessous et après, je vais tout en haut et voilà. J'ai oublié l'étoile. Putain, c'est... Je pensais que j'avais fait la première partie à 100%, mais non. Non, j'ai zappé des trucs. Non, fallait aller en haut. C'est la merde, ces gargouilles. Oh non. Ok. On ne meurt pas. Non, mais attends, mais... Oh, je les déteste. Je les déteste, ceux-là. Et là, j'ai encore pris un item de merde. Là, y a rien. Y a un extend de temps. Ah! Oh! Oh! C'est complètement aléatoire. Ok. Donc, j'avais peut-être pas zappé tout compte fait. J'ai eu de la chance. Ah, mais ils sont horribles. Reste calme, ça sert à rien de s'énerver, faut aller là-haut. Ah oui, faut que je me balance, je sais plus où là. Ok, c'est par là. Allez vite. La gargouille, on sent... Ah mais non, mais j'ai pas la... Attends, mais j'ai pas rêvé. C'est quelle clé? Ah bah non, mais si. C'est bon. C'est là que je dois venir. Ok, c'est bon. Je pensais que j'allais perdre mon étoile. Alors, first try ou pas?
qui fait des petits sauts. La clé cœur, et maintenant je vais directement au boss. Hein. On sait où il est. Il est par là-bas. Non. Non, non, c'est plus bas. Non, 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 non. Doucement. Bon. Avec toutes mes étoiles. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je meurs? Je sais pas si je perds mes étoiles. Je sais pas. Bonjour! Attends, c'est pas fini. C'est peut-être pas fini. Oh merde! Oh non, oh non, oh non, 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 mais j'ai plus que 2 carrés de vie, s'il te plaît. Saloperie de gargouille à la con! Désolé, hein, voilà. Ce jeu est trop exigeant. La porte est ouverte. Par contre, j'ai perdu mes... J'ai perdu mes étoiles, hein. Super. Oh là 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 là. J'ai plus d'étoiles. Connerie de gargouille. Dégage. T'es obligé de te faire toucher, quoi. Ensuite. Très bien. On y est. L'ascenseur est en panne. Quoi? Attends, quoi? Allô? Allô? J'ai cassé l'ascenseur. Je suis bloqué. C'est quoi le bordel là? C'est quoi le bordel? C'est quoi le rapport? What the fuck? Qu'est-ce que t'as passando? Quoi? Bonsoir Nadrem. Est-ce que je casse ça ou pas? C'est risqué. Ce troll! Oh non! Mais t'es sérieux? Oh non! Oui? Attends, est-ce que c'est normal ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, c'est génial, l'ascenseur est en panne, on peut pas aller plus loin. C'est con. C'est le fameux Boobs Manual. Ça s'appelle Rusty. Ça s'appelle Rusty et l'ascenseur est en panne. On m'appelle cet architecte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, mais il y a un problème là. Mais non, mais il y a un truc à faire. Oh. Le jeu était bien jusqu'à présent, et là... Évidemment, il n'y a pas de vidéo sur le jeu. Donc, voilà. Voyons voir. Je peux pas mettre la pause, donc le timer défile. Rusty, on plaît peut-être. Ah si, j'ai rien dit. Alors voyons voir l'ascenseur, vite, 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 vite. Oh là là. La vidéo elle dure 2 heures et je suis à la 20e minute de la vidéo pour vous dire la durée de ce jeu de taré. Alors sans trop me spoiler, voilà, l'ascenseur monte. Il y a la gargouille elle est là. Et il y a un boss. D'accord. C'est un bug.
Il s'agit ni plus ni moins que d'un bug. En fait, lorsqu'il arrive à cette hauteur, on voit l'écran qui se fige sur le milieu. Et il y a le boss qui apparaît. Sauf que là, j'ai dû aller un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Et du coup, caca. Alors, échappe, ça ne fonctionnera pas. Non, il n'y a pas de bouton pour mourir, il n'y a rien. Merde, j'ai mis la pause. À la prochaine. Ciao.